Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing assez rapide. Voilà, donc c'est le petit colis ici. Alors, je l'ai reçu en 3 semaines, donc un mois. Et voilà, bon, c'est un peu long comparé aux autres produits, mais bon, ça reste quand même raisonnable, c'est AliExpress. Le nom du vendeur, vous l'aurez dans la barre d'infos avec le lien. Ça se présente comme ceci. Et c'est des porte-clés. C'est vraiment tout tout petit, voilà, c'est emballé comme ceci. Et j'avais déjà fait des porte-clés sur ma chaîne YouTube en forme d'arme. Et j'avais bien aimé le concept, du coup je voulais en refaire. Et c'est chose faite. Donc là, déjà dans un premier temps, on a les attaches. Donc dans un sachet à part comme ça, elles ont l'air plus qualitatives que celles que j'avais avant, enfin de l'autre kit, mais c'est pas de la même marque il me semble. Le tool kit, c'est le kit basique, en même temps il n'y a besoin de rien de plus. Et ensuite on a les porte-clés. Alors c'est des porte-clés en plexiglas ou plutôt résine, je sais pas comment expliquer. Donc ils sont comme ceci. Donc déjà vous avez celui en forme de bouche, donc là vous avez le trou pour mettre l'attache. C'est recto verso, les symboles ils sont nickel. Le seul désavantage des porte-clés comme ça, donc je pense que c'est pour tous vu que c'est le deuxième kit que j'achète et ça me fait pareil, c'est que les bords ils sont collants et ça a tendance à attraper beaucoup les poils etc, donc c'est dommage. Ensuite, on a une petite glace comme ceci. Donc pareil, recto verso. Alors là, l'image, elle est un peu moins nette que sur la bouche, mais bon, on voit quand même très très bien les symboles. Ensuite, un petit cupcake. Alors, je pense qu'ils ont eu des soucis avec les imprimantes. Parce que là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de traits. Mais bon, on arrive à lire les symboles, donc c'est tout ce que je demande. Ensuite, un petit rouge à lèvres, donc là vous voyez c'est beaucoup plus net. Et une autre glace. Donc c'est un kit de 5, donc deux glaces, donc après un petit cupcake et ensuite une bouche et un rouge à lèvres. Donc j'essaye de vous les mettre à côté. Voilà. Donc moi j'aime vraiment bien les porte-clés. Je pense que je vais me faire une petite collection de porte-clés parce que bah, je trouve ça vraiment stylé. Et j'aime bien. Et en plus, il y a un détail qui me plaît beaucoup. Alors, attendez. Donc, je vais commencer par la ribambelle. Donc, il y a pas de DMC en même temps, c'est des strass. Mais on sait jamais, des fois il y en a qui donnent des références. Donc là, c'est des strass, il fait un peu couleur champagne, celui-là. Ensuite, on a un marron foncé, un bleu AB. Donc c'est vraiment très très cool qu'il y ait des AB. Je ne savais pas du tout. À vrai dire, j'ai pas fait gaffe. Ensuite, on a un orange un peu cuivre. Est-ce que c'est les mêmes? Non. Alors, ces deux-là, on ne voit pas trop la différence. Mais bah, ils seront différents. À vrai dire, là, comme ça, moi-même, je ne vois pas la différence. Mais bon, c'est pas très grave. On a un autre AB rose. Donc très très beau aussi. On a du rouge, du vert, un AB violet. Et un strass rose. Donc ça nous fait 3 AB. Voilà les 3 AB qu'on a. Donc celui-là on dirait pas trop, mais c'est bien un AB. Vous voyez les reflets là. Et voilà, donc bah, c'est très très bien. Pour le coup, tous les unboxings que je vous ai fait, c'était tout le même jour que j'ai passé commande. Et du coup, ils ont tous des AB. Donc c'est plutôt cool. Alors, à part, on avait aussi du noir. Et du transparent argenté en strass. Et ensuite, on a les strass spéciaux dans des petits sachets zippés. Donc là, on a des sortes de demi-sphères holographiques. Alors, je vais essayer. Voilà.
holographique. Ensuite, on a des gouttes comme ceci. Elles sont très très belles. Voilà. Des demi-sphères en bleu, un peu dans les mêmes tons que les AB au niveau des reflets. Donc très très beau aussi. Beaucoup plus petit, pareil, des sphères blanches nacrées. Donc c'est le même style, hein, sauf en beaucoup plus petit. Et ensuite, des gouttes comme ça, holographiques, plus dans les tons bleus. Hein. C'est vraiment beaucoup bleu. Du coup, tous les hauts, c'est des AB. Là, pareil, les hauts, c'est des T, des AB. Les V ici, c'est des AB. Voilà, du coup, bah, c'est plutôt cool. Il y a quand même assez de diamants AB dessus. Enfin, il y en a quand même pas mal à placer. Donc, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup. Donc, comme je le redis, je ne savais pas du tout qu'il y avait des AB. Du coup, bah, je suis encore bah, bien surprise. Au niveau des diamants spéciaux, alors, il n'y en a pas tant que ça. Mais quand même, je trouve qu'il y en a pas mal pour 5 petits porte-clés. Et bah, vu qu'elle est AB, ça compense très très bien. Donc, honnêtement, bah, je vous recommande le kit. Alors, ce vendeur, il me semble pas que je l'ai déjà testé. Mais en tout cas, je le vois beaucoup pour tout ce qui est kit de petits porte-clés comme ceci. Et c'est sûr que je recommanderais parce que j'aime beaucoup le format. C'est hyper rapide à faire et je trouve c'est vachement original. Moi, j'avais jamais vu de youtubeuse présenter ceci, donc ce kit-là. Donc, je vous le présente et au moins, bah, vous pouvez travailler vraiment des diamants spéciaux. Bah, de différentes formes, pas ceux habituels, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de travailler les gouttes, j'ai du mal, mais moi par exemple les sphères comme ça je les ai jamais travaillées, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, c'était assez rapide, mais au moins vous voyez des choses un peu différentes, et bah, je pense que ça va vous plaire, je vais essayer de les faire avec vous, peut-être les 5 en accéléré, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !